Ma préoccupation, c'est l'avenir des générations futures. Nos enfants de Zakusson étaient à Barjac, où ils dénonçaient l'empoisonnement quotidien de nos petits, de nos enfants, bien sûr, et l'empoisonnement de notre sol, de la terre, de la mère nourricière, des sols nourriciers. Le second aussi, c'était un cri d'alerte d'une enfant de 12 ans, à Rio en 92, qui était Severn Cully Suzuki, et c'était elle l'héroïne du film. Et puis, bien sûr, les OGM, c'est quoi les OGM? Ce sont des éponges à pesticides, soit parce qu'ils fabriquent leurs pesticides, ou soit parce qu'ils tolèrent les pesticides en grande quantité. Donc c'est la même pollution. Sauf que les OGM, c'est irréversible, c'est une technologie qui est irréversible, comme le nucléaire. Ce sont deux technologies irréversibles, et on est au bord de cette irréversibilité.